Donc, campement euh, pro-Gaza à McGill, la décision de la Cour est tombée, euh, la demande des étudiants est rejetée. Première question toute simple. Avez-vous été surpris, Luc? Euh, non, non, pas du tout surpris parce mm -hmm. que le droit de manifester est constitutionnel. C'est également dans les deux chartes, le Québec et Ottawa. C'est un outil démocratique qui est indéniable. Alors, la Cour doit en tenir compte. Si cependant... On, on abuse de ce pouvoir ou de ce droit de manifester, puis que ça devient violent, puis que ça devient... Euh, mm. qu'on qu brise les, 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 les choses publiques. Euh, là, c'est autre chose. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de violence. Il y a même... on n'est même pas capable de dire « oui, mais c'est antisémite », parce qu'il y a des Juifs qui sont avec eux autres, des membres de la communauté juive, ouais. qui sont là aussi. Il n'y avait pas de preuve nulle part. Il n'y avait aucune mais... preuve pour appuyer ça. Alors, je ne voyais pas comment la Cour aurait pu donner une injonction. Oui. On se demande comment l'université va gérer la suite maintenant là, sur ces terrains. Euh, on a émis un communiqué cet après-midi, on reconnaît le droit de manifester, euh, mais il y a des groupes qui n'ont rien à voir avec McGill, on le disait, là, qui, qui occupent des terrains privés. Et en bout de ligne, eh bien, on conclut que le campement doit être démantelé sans délai. C'est là une demande non négociable. Qu'est-ce qui va suivre, Mario? C'est ça, c'est que le droit de manifester, euh, Luc l'a bien dit, il est reconnu bien. constitutionnellement. Est-ce que le droit de manifester vient avec le droit de s'installer en permanence? Puis là, mmh. s'installer, c'est encore une chose, s'installer avec des tentes, puis là s'installer avec des barricades. Mmh. Là, les, gar... les barricades sont gardées. Les barricades sont. Donc, pour savoir qui y entre, qui y entre pas. Donc, mm. là, les... certaines. Ben, l'impression qu'on... je me demande si on laisserait même rentrer les services policiers ou même les gens de McGill. L'administration de McGill, ils sont sur leur terrain. Est-ce qu'on les laisserait circuler librement? Mm. Fait que là, tu dis, si l'administration de McGill ne peut plus circuler librement sur ses terrains, on est dans une zone grise, mais à mon mais... avis, qui déborde du simple droit de manifester. De là à dire que. Ça justifie, il ne se passe pas rien d'urgent, rien de grave, il n'y a personne qui est en danger. Je ne vois pas la police <coughs> débarquer là avec les matraques là, comme si on ouais. allait sauver des vies. Là. Ouais. On va écouter justement la mairesse de, de Montréal qui a réagi aujourd'hui à ce sujet. Un petit extrait. Je fais vraiment extrêmement confiance à ma direction, hein, au chef de police de la ville de, du SPVM, puis aux policiers, de le faire mais de le faire, on n'est pas aux États-Unis, puis j'ai pas envie de ressembler, j'ai pas envie qu'il se passe la même chose qu'aux États-Unis non plus là, c'est-à-dire que dans certains cas, ça l'a créé, même ça l'a, c'est rajouter de l'huile sur le feu. On n'est pas à l'époque non plus des carrés rouges. Et le SPVM veut aussi éviter des, des affrontements ouais. qui dégénèrent. Là, Paul. Et, mais aussi, ce qu'on vient d'entendre de la mairesse Plante est, est quand même emprunt de, de, de sagesse. Là, parce que la dernière chose qui doit arriver en ce moment, c'est qu'il euh, y a des, des hommes ou des femmes politiques pour faire de la petite politique euh, décident d'intervenir ou euh, des déclarations incendiaires qui rajouteraient un peu. Et bon, euh, la police se retrouve avec euh, la balle en, entre ses mains. C'est mm. pas évident en ce moment. Mais bon, tant, tant que l'accès édifice n'est pas bloqué tant qu'il n'y a pas de débordement, euh, tant qu'il n'y a pas de propos, parce que la juge disait dans, aussi dans <coughs> son jugement, attention, elle va garder un oeil là-dessus, euh, des, des, des propos, des actes qui pourraient euh, clairement démontrer que de, du racisme ou de l'antisémitisme là-dedans. Euh, mais, mais tant que ces conditions-là ne sont pas réunies, euh, une ou plusieurs, c'est embêtant pour, pour les policiers. Là. Ils vont de toute évidence tenter de laisser le temps agir, et, et surtout que les cours sont terminés ou ouais, à peu près euh, ah, du côté de Megan. Oui, voilà. Bon, il nous reste un petit deux minutes. Toilette mixte. Le ministre... Qui a statué sur la question des toilettes mixtes dans le réseau scolaire. Statu quo pour euh, ce qui existe, là, essentiellement, mais pas de toilettes mixtes dans les futures constructions. On va écouter le ministre de l'Éducation. On respecte l'engagement que nous avons pris. Alors, dorénavant, donc, pour les futures écoles, il y aura un bloc sanitaire garçon il y aura un bloc sanitaire fille et il y aura des toilettes euh, individuelles, mixtes, universelles. C'est un excellent compromis. Sage décision, Luc Tellement ridicule ce débat. C'est tellement ridicule. Est-ce que c'est une sage décision Probablement que c'est une sage décision, mais tu vois, comme je l'ai dit plus tôt à l'émission, elle ajoute, je réclame le droit de ne pas avoir vraiment d'opinion. Je trouve ça tellement étrange que, bon, tourne la page. Paul? Luc nous renvoie là-bas. Là. On, oui, on, oui. on remarque son stratégie. Exactement. <laughs> mais euh, en prenant connaissance des propos de, de la décision du ministre, je me disais, tiens, voilà, une, voilà le, le Québec de 2024, une clause grand-père pour les toilettes mixtes au Québec. Parce que celles qui sont déjà en place vont rester. Mm -hmm. Les nouvelles écoles, il y a tellement de nouvelles écoles qui se construisent au Québec, euh, je ne pense pas que c'est un grave problème. parce tout cas, il n'y en aura plus. Il euh, faut jamais oublier qu'il euh, y, y a des êtres humains, des jeunes aussi, qui sont confrontés dans, dans ces situations. Situation -là. Moi, ce que j'entends, c'est que dans les écoles où ça existe, à peu près 10 il n'y a pas vraiment de problème. Là. Mm -hmm. euh, les, les jeunes s'adaptent très bien parce que ce n'est pas des toilettes où, où c'est ouvert à tous. Et puis, euh, mm -hmm. les garçons et filles se, se mélangent comme ça à une proximité. Il y a quand même mm -hmm. euh, un aménagement qui est fait. Mais bon, on verra pour la suite. Mais Mario, il n'y avait pas un comité de sage qui devait se pencher sur cette question-là, notamment? Euh... Oui, qui a été formé pour toutes ces questions-là, ouais. mais qui en même temps, ce matin, la ministre responsable du comité de sage a dit clairement, ben, euh, c'était pas là, dans leur mandat. La question spécifique des toilettes des écoles était laissée au ministre de l'Éducation. Il n'avait pas besoin de la sagesse du comité de sage pour <laughs> celle-là, semble-t-il. <laughs> bon. Merci à vous trois. À lundi. Merci, Sophie. Au revoir. Au revoir. Joyeux anniversaire, Sophie. Merci, Paul.